Alors, comment vérifier si on est réveillé cet après-midi? Moi, j'ai une recette simple, de ce que j'ai vu qui bouge en image. Ça s'appelle Meat Grinder. C'est joli, Meat Grinder. Oui, le mixeur à viande. C'est une espèce de FPS qui se concentre sur le tir. Moi, je dirais que c'est du rail shooter mélangé à de la varap. Avec un peu de chance, le jeu sera bien mappé. Ou alors, au mieux, je pourrais utiliser mon pad. Et ça va bien se passer dans des conditions optimales. Sinon, vous savez très bien que toutes les catastrophes suivantes peuvent arriver. Le mauvais mapping des commandes, des crashs du jeu, des performances miteuses, ou alors... un jeu minable. Monsieur K est là pour prendre tous les risques à votre place et trier de la fange les petites perles qui sauront vous faire sourire et vous distraire. Action, action. Non, jeune Padawan, tu n'es pas dans Full Throttle. Va pas tout mélanger. Va pas me semer le bordel, on arrive à peine, nom de Dieu! C'est Meat Grinder, une espèce de rail shooter à la John Woo, qui va nous permettre de défourailler dans tous les sens et de faire de la varap sur des tas de choses en mouvement. Ouais, sur des tas de choses en mouvement. You die. Facile. Donc vous l'avez compris, le cœur, c'est votre moteur, les jambes, c'est ce qui va vous faire tracer, vous arrêter, vous mourrez. Ça vous rappelle un film? Non, mais j'ai pas de problème cardiaque, moi ça va. Ça, c'est WAM sur ma bécane. Alors j'ai un shift, j'ai un E, F. Ouais, je trace, moi, je trace. Ah, je suis tombé! J'arrive pas à remonter sur ce compte camion. C'est merdique! Je me suis râpé la gueule sur le sol. Oh là là, je sens que je vais mettre du temps à m'habituer à ce truc. Donc, on a vu que les premières séquences, j'avais un problème avec le joystick qui me faisait tirer à droite injustement. Comme si c'était déjà trop simple pour moi. Action. Je vérifie que ça tire pas sur le côté. Non, c'est bon. On va peut-être enfin pouvoir jouer. Ah, ouais, peut-être. C'est pas super bien placé, mais bon, on va faire avec, hein, c'est pas grave. Bien gros. Oh, j'aurais pu le prendre au vol, lui. Yatta! Venez, bande de cul sans main, je vous attends. Que, c'est déjà fini? Non, non, on fait pas ça. Juste au moment où on allait pouvoir commencer à rigoler. Le jeu me fait rebouffer et je me fous de ma gueule. Non, tu repars avec des flingues. Yalla. Amenez-vous, bande de nazes. Je trace, moi, je trace. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, c'est sûrement un ennemi que j'avais dans le dos. On va voir ça. Ça va déjà mieux quand ça fonctionne. Il me fait redémarrer où? Avec mes flingues, sans mes flingues? Avec mes flingues, c'est la fête. Bouya. Bande de cul sans main, j'arrive.
J'y vais. Moi, quand il y a de la munition, je tire. Crac, boum, une. Comme disait grand-mère. Peu importe les moyens, j'y arriverai. Si je monte pas derrière, je me suis fait avoir assez souvent. Ah, oh, dommage, on était pas loin. Je redémarre d'où? Du début, sûrement. Ça y est, on commence à choper le potentiel du jeu. Alors, c'est très bête, c'est très con, c'est très action. Et il y a un mot pour ça, c'est très arcade. Et ça, c'est chouette. Venez, les crétins. Ah, de ce côté, ce serait mieux. Ah, il va se péter les deux. Ouais, je m'y suis très très mal pris. On l'aurait fait celle-là, vous avez rien vu. I am just a figment of your imagination. Let's crash this party. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pas vu venir. J'ai dû oublier un ennemi qui m'a laminé le dos. Let's do this. Life is cruel. Let's crash this party. Quel dommage. Let's do this.
Bon, je l'ai bien cherché, mais voilà. Yes. Midgrinder. C'est moche, ça fait très vieux. Ça pourrait être tourné sur un 486DX, mais... C'est l'esprit arcade pur jus, les gens, vous avez bien compris. C'est une sorte de rail shooter avec de l'action à la Yamakasi. Il va falloir faire du John Woo en temps réel, et ça ne dépendra que de qui, que de vous. Votre adresse à tantôt foncer dans le tas, tantôt esquiver, tantôt foncer encore, et tantôt tout faire péter, voilà. J'ai bien résumé le jeu. Oui, je l'ai résumé parfaitement. Si ça sort à petit prix, genre dans les 7 balles, c'est carrément jouable en fait. Moi je dis ça, moi je dis rien. Je vous laisse les playlists pour réfléchir et ce bouton d'abonnement. Ciao.